et le gouvernement sur le sort tragique des chrétiens d'Irak. Sous nos yeux et ceux de la communauté internationale, un peuple se meurt par l'oppression sans précédent des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. En effet, il s'agit des chrétiens syro-chaldéens d'Irak. Ce peuple autochtone souffre de martyrs 150 à 300 000 en 2014. D'année en année, la situation s'est nettement aggravée. À partir d'aujourd'hui, il s'agit désormais de leur survie face au fanatisme déchaîné et au terrorisme de djihad. Monseigneur Youssef Thoma, archevêque chaldéen de Tikrit et Souleymaniyah en Irak, déclarait le 3 juillet : nous sommes en train d'en disparaître, comme ce fut déjà le cas des chrétiens en Turquie, en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. Et même au Liban, ils ne sont plus entre-temps qu'une minorité. Certes, qualité. On se demande si le plan et la division... J'appelle maintenant... ...pour apporter le soutien total. Suffisamment relayé par les médias en France. On voit bien que des centaines, des milliers de personnes...